Haïtien sur invitation au groupe de jeunes universitaires pour nous devine parler avec Jeunio sur le rôle et implication universitaire dans la construction en Haïti dans la dimension histoire. Pour que nous capable de remarquer, c'était une belle conférence. Jeunio a fait déplacement et m'a félicité l'organisateur événement ça qui a réalisé un événement assez intéressant. La femme dit que mon pape seulement vient dans la ville Cap-Haïtien. Nous gagnons des conférences également, des rencontres avec les citoyens dans l'Embé, des amis dans Pilate, Port Mago, pour me citer ça seulement, et pour Koulia. Donc, je suis capable de constater ça et nous continuons avec tourner nos périples dans tous les départements, dans le souci. Pour nous expliquer mon mieux nécessité pour impliquer, pour engager, pour effectivement nous capables de sortir pays à s'allier, je veux dire. Et parce que nous tous connaissons, nous avons fait face à une situation extrêmement difficile. Taux d'inflation a monté à 30%, au besoin de 150 gouttes jusqu'à 160 gouttes pour un dollar, je veux dire. La vie est extrêmement, extrêmement chère et nous voyons que les gens qui dirigent nous, yo pas intéressé ouais pour résoudre problème. Moi pense que li extrêmement important jodi a pour gagner un appel qui fait pour citoyens yo vraiment montrer que yo pas d'accord avec gens qui dirigent le pays. Et certainement bien mobilisation qu'a fait dans tout le pays a pour moun yo engager yo pour yo agencer en réponse nous sommes capables de dire qu'il est inscrit dans la durée, mais immédiat tout à la situation pays à jeudi. C'est peut-être c'est même appel ça que un groupe citoyen qui nous voulait à travers Petit Dessaline a lancé tout demain une mobilisation au Cap-Haïtien contre la richesse, contre la situation pays. Nous encourageons vraiment tous les citoyens au Cap pour participer dans effectivement. Mobilisation qui a demandé pour bagaille changer, la mobilisation qui a demandé pour nous gagner notre gouvernance. En même temps, moi invité population nord là et population dans ville au Cap pour être très prudent et vigilant par rapport à deux appels à manifester qui pas sincère, qui pas franc parce que ou pas capable rester en l'air pour regarder ou passer dans la fenêtre. Ça veut dire que, en bas dans la fenêtre, ça veut dire que, ou pas qu'à juger parti à la fois. Ça veut dire que, sous le gouvernement, ou bien, premier, ça vous demander, c'est demander à ministre, mon météo, pour démissionner dans le gouvernement, et ensuite, ou capable de demander pour une mobilisation qui est faite, parce que, démarche là, en soi, surtout, regarder ministre, qui est très hypocrite. Donc, on va parler de qui est-ce? Je vais demander à la population haïtienne pour être vigilant et pour être prudent. De qui vous voulez parler? Ah, monsieur, nous connaissons. On va poser une question. Qui nous toujours faire plaidoyer pour le président Jovenel Moïse, qui est en justice et qui est bon, parce que le président Jovenel Moïse est monté servile comme ambassadeur, ministre des Affaires étrangères et premier ministre. Mais c'est le premier mandataire de la nation qui est assassiné. Et c'est normal qu'en tant que citoyen, vous demandez justice au président Jovenel Moïse parce que moi, je suis servi comme premier ministre. Et
pour connaître et c'est en pile la démarche qui fait que je dis à pendant le premier ministre que nous avons arrêté Colombien, qui fait que nous gagnons quelques évidences que nous n'êtes pas capable de faire aujourd'hui, quelques évidences qu'il a qui documenté très bien participation ensemble de monde dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, ensemble de secteurs ou ensemble d'oligarques. Non, assassinat président. En tant qu'ancien premier ministre. Bon, depuis. Bon, évidemment pas, monsieur le début Ariel monté comme premier ministre. Au contraire, tout ça qui est fait, c'est capable de dire qu'il y a des faits. Par exemple, arrestation Sani Randal, l'ancien qui n'a pas recueilli la guerre parce que le gouvernement n'a pas collaboré et coopéré avec la justice turque. Donc, au lieu de pas qui fait, on est capable de dire c'est de retour. On est capable d'ici régresser question ça à progresser. Donc il y a une nécessité effectivement pour ancien allié président famille et tout le monde de continuer à demander justice pour lui parce que pour l'OE Adjilla et justice pour le président Jovenel Moïse sont préalables pour démocratie à bourgeonner et dialogue concertation nécessaire pour réaliser élection dans le tribunal. Oui, en tant qu'ancien premier ministre, nous, aujourd'hui, la situation est aggravée. Est-ce que c'est un manque de volonté de côté Ariel Henry qui actuellement a géré le pays ou bien est-ce que le cas a dépassé? Non, je pense que Ariel Henry a fait exactement sa système de le faire. C'est fait silence, il a maltraité Haïtiens en République dominicaine. C'est fait silence, les goudla tournent les oreilles bourriques. C'est fait silence. Les prix pour du bruit nécessité à grimper, c'est fait silence le taux d'inflation pour la première fois atteindre la barre de 30%. Donc, Ariel Henry, lui, fait exactement sa système de besoin de faire et c'est pour ça même que le système là était éjecté parce que je connais face à la situation, ça y est, il n'y a aucune façon pour me dégrader le silence. On va tourner à travers l'université. Est-ce que ça veut dire que Claude Joseph est finalement un leader universitaire, un leader jeunesse là? Bon, moi-même, écoutez, je suis premier ministre, je suis un ancien premier ministre qui a marché dans tout le pays, dit les jeunes, mais qui nécessitait pour que ça ait été engagé, et a parlé de l'expérience dans l'État. Donc, moi, je crois que ça, c'est ça qui fait dans tout le pays. Moi, je viens en Haïti, on est un chef, c'est caché à le caché. Moi-même, j'ai décidé de confronter, affronter, je devais dire, avec Jeunio, aidez-nous pour nous capables de garder qui ça, nous capables de faire ensemble pour effectivement nous agir sur une réponse à la situation du pays. Je vous remercie un peu. Merci.